Ce vendredi 3 mars 2023, TF1 diffuse Enfoiré un jour, toujours, le grand concert annuel au profit des Restos du Cœur. Parmi les artistes présents, certains n'ont pas le droit de chanter. Si est-il le cas notamment de la comédienne Élodie Fontan. Mais pourquoi? Si est-il ce que nous allons voir tout de suite. Les Enfoirés bientôt de retour à la télévision. La grand messe annuelle des Restos du Cœur sera bientôt de retour. Et cette année, le tournage a été fait du côté de Lyon. Plus exactement, à la Halle Tony Garnier. À cette occasion, le slogan de l'émission a bien sûr été changé. Pour cette année 2023, le spectacle a comme nom, 2023 Enfoiré un jour, toujours. Une nouvelle chanson a également été choisie pour devenir le nouvel hymne de cette édition inédite. Il s'agit du titre Rêvons, signé par Amir et les deux compositeurs Nazim et Niajiko. Concernant les participants de cette nouvelle édition, des noms d'artistes ont fuité sur les réseaux sociaux. Plusieurs nouveaux visages seront présents. On pense notamment à Jane Birkin, qui fera son grand retour, mais aussi Sophia Saïdi, Mentissa, mais également à Antoine Dupont, Esteban Ocon et Germain Louvet. Évidemment, les fans du programme retrouveront également les têtes d'affiche, comme Mimi Mati, Michel Larocque, Jennifer, Patrick Bruel ou encore Patrick Fiori, mais également la bande à Fifi avec Élodie Fontan, Philippe Lachaud ou Julien Arrouti. Élodie Fontan ne chante pas juste bien cachée au milieu des autres, certains enfoirés ne chantent pas réellement. Si est-il notamment le cas d'Élodie Fontan. Si est-il Sophie Bazou, la responsable des enfoirés au sein des Restos du Cœur, qui a révélé l'information auprès de nos confrères de Télé-Loisirs. Elle chantait trop faux. C'était pire que Julien, confie-t-elle. Et oui, Julien Arrouti a lui aussi été privé de micro. Cela n'a toutefois pas touché l'enthousiasme de la jeune femme. En effet, elle s'est déclarée trop fière de refaire partie de la grande aventure. Et si est-il le principal ?